Yo les gens, c'est Blos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, très spéciale, je suis trop content de vous faire cette vidéo, vraiment on l'attend tous, on va pas passer par 36 000 chemins les gars, la mise à jour aquatique a été confirmée par Minecraft le 3 mai 2018, je vous mettrai le screen sur Twitter, alors je l'ai, alors Twitter, ils ont mis... Mise à jour aquatique, la mise à jour aquatique arrivera sur les anciennes plateformes, y compris PlayStation 3, Wii U et Xbox 360. Donc c'est une des dernières mises à jour, c'est même la dernière mise à jour. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la dernière mise à jour que Minecraft, donc 4G Studio, ont fait pour les consoles. Donc pour ce qui est du Wii U, Xbox 360 et PlayStation 3. Donc après, je ne sais pas si PS Vita ça continuera à avoir les mises à jour, mais toutes les anciennes consoles... Ils ont dit qu'il n'y avait que 5% de gens qui jouaient sur PlayStation 3 comparé à la PlayStation 4. Donc c'est très peu, surtout sur Minecraft, c'est très peu. Du coup, en fait, c'est pas assez rentable pour eux. Ils passent trop de temps dessus alors qu'en fait, ils perdent leur temps. Du coup, profitez bien. Donc c'est quand même une grosse mise à jour. Hein. La mise à jour aquatique, elle rajoute plein de nouveautés. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc elle va... on n'a pas encore de date précise, mais on sait qu'elle a été annoncée officiellement. Elle va très vite arriver, donc j'ai vraiment hâte, franchement stylé, elle va être stylée. Donc pour pas vous montrer que c'est pour vous montrer que c'est pas du mytho, sur le site minecraft.net, donc c'est le site officiel de Minecraft, dessus vous avez tout plein d'informations, ce sont les vraies infos. Donc je vais pouvoir vous lire la mise à jour. Donc on va commencer. Comme vous l'avez probablement déjà entendu, la update aquatique apportera bientôt toutes sortes de plaisirs sous-marins aux joueurs sur Java Edition et une nouvelle version de Minecraft basée sur Bedrock Engine pour Xbox One, Switch, mobile et Windows 10. Mais nous ne le ferons pas laisser les artisans sur d'autres consoles hautes et sèches. Arrivant un peu après le lancement initial, les joueurs sur PlayStation 4 Edition, PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, Wii U recevront tous, j'ai bien dit tous, la update aquatique. Donc tout le monde l'a. À l'exception de la PS4, cela marquera le dernier grand effort pour garder ses éditions à jour avec nos nouvelles versions de jeu. Ce qui veut dire, au début j'ai pas compris, j'ai relevé la phrase une deuxième fois. En gros, à part la PS4, toutes les consoles PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, Wii U, il n'y aura plus de mise à jour dessus. C'est mort. Ils ont dit, bien que nous aimerions continuer à apporter du nouveau contenu à tous nos joueurs pour toujours, l'ancienne génération de consoles représente maintenant moins de 5% de nos joueurs actifs. Donc moins de 5% est sûr. PS3, Xbox 360, PS Vita et Wii U. C'est très peu, et comme ils le disent, ils ne peuvent pas garder ça parce que c'est trop peu. Donc ils ont pris la décision difficile de se concentrer sur là où les joueurs sont le plus actifs sur Minecraft, c'est-à-dire sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PE, et sur Minecraft Windows 10 Edition. Voilà. Donc la mise à jour PS4, au début j'ai compris que c'était PS4 qui allait virer, mais non, au final, je pense qu'il va continuer à avoir des mises à jour, même si les serveurs, c'est un peu capoute pour nous. Je pense qu'on les aura, en tout cas pas maintenant. Du coup, ça c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des mises à jour. Mais ça c'était pour les versions. Et au niveau de l'ajout de l'océan aquatique, je vous mettrai des screens en fait en même temps que je parle. Par exemple de la mer, de l'océan, ce qui va changer, des tweets, tout ça. Du coup, on aura des nouveaux enchantements. Donc, par exemple, l'enchantement loyauté, donc loyalty, qui peut s'enchanter jusqu'au niveau 3. Il est utile pour les tridents. Donc, il y aura des tridents. Hein. Ce sera trop stylé, vous allez voir. Alors, franchement, ça va être trop bien. Donc, ça, c'est plutôt stylé. On a des nouveaux effets de potions. Donc, l'ajout de l'effet de chute lente, qui fera descendre le joueur à un rythme beaucoup plus lent et ne lui fait aucun dégât de chute. Stylé. Une potion, en fait, elle te ralentit. T'es plus lent à tomber. Mais tu prends pas de dégâts de chute, donc ça c'est plutôt stylé. Après on a là l'ajout de l'effet puissance de conduit. Je sais pas ce que c'est. Ça arrête l'épuisement de la barre de respiration. Ah d'accord. C'est pour respirer sous l'eau. Stylé. Stylé. Donc on a une nouvelle capacité de nage, donc activée encore dans l'eau. On peut appuyer sur le bouton d'accroupissement, ce qui fera plonger le joueur. Une sorte de mode, vous voyez, petites animations. Donc c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Après, il y a tout plein de nouvelles données qui ont été complétées dans le jeu. Il y a des nouvelles particules. Il y a la Bubble Column, la Bubble Pop, la Current Down et la Skid Ink. Donc, c'est des particules. On n'a pas de photos de ces particules, je pense. Il y a eu 4 nouveaux progrès. Vous savez, les genres de petits trophées, là.
Il y a aussi sur PC, mais sur PS4. Donc, par exemple, c'est pêcher un poisson. Encore merci pour le poisson. Il y a pêche tactique. Donc, il faut attraper un poisson sans canne à pêche. Donc, je sais pas comment on va faire. Une blague tombée à l'eau. Lancer un trident sur quelque chose. Pas mal. Le coup de vous frapper un vieux jeu avec de la foudre. Donc, franchement, le trident. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le trident, ce serait une tuerie. Enfin, personnellement, je trouve que le trident, c'est stylé. C'est d'être trop badass. Vraiment. C'est d'être, je sais pas comment on peut le crafter. Si on doit le trouver dans un temple. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok. Bah on est bon. Ah, il y aura aussi des épaves de navires. Donc il y en aura plusieurs que vous pourrez trouver dans les océans et les plages. Dont des butins différents selon le navire. Il y aura des. En fait des épaves en fait. Voilà, des épaves de bateaux. Soit qui ont coulé ou qui sont détruits, quoi. Enfin voilà. Et c'est plutôt aussi. Il y aura aussi des grottes sous-marines. Donc, en dessous, ce sera des sortes de failles, hein, des failles sous-marines en fait. Et il y aura des blocs de magma au fond de ces failles qui vont créer des bulles en fait. Ça va être trop stylé. Il y aura des icebergs. Ça, des icebergs, mec, trop stylé. Il y aura des ruines, des trésors enfouis. Donc, il y aura beaucoup, je pense, au niveau de la. Surtout, une mise à jour, je vous le dis, pour la survie. Franchement, l'aventure, ceux qui adorent Minecraft pour. Découvrir des nouveaux mondes, vous avez même plus besoin de mettre de mode. Je pense qu'avec cette nouvelle mise à jour 1.13, on va se régaler. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive sur PS4 pour peut-être vous présenter. Dis-moi, c'est chaud hein, pour un petit gameplay de présentation de nouvelle mise à jour ou même une série où on pourrait découvrir ces nouveaux endroits, ces trésors, ces ruines, ces épaves, des icebergs. On pourrait trouver plein de choses, des grottes. Ce serait plutôt stylé. Il y aura aussi des algues, excusez-moi, qui vont être rajoutées, des blocs de coraux. Il y aura une boîte à shulker. Ça sert à quoi ça, la boîte à shulker? La boîte à shulker. Oh d'accord, c'est juste la couleur qui change. Et ça pourrait être décoloré dans un chaudron. Ok, pourquoi pas. Il y aura des conduits. Un conduit. Donc ça sera fabriqué avec un cœur de la mer et 8 coquilles de Nautil. Oh, ça sera stylé, mec. Il y aura. Oh. Des œufs de tortue. Il y aura des tortues, les gars. Il y aura des tortues pondues par les tortues après que ces derniers sont accouplés. Peut-être obtenues dans l'inventaire en utilisant un outil enchantant. Touché de soi. Donc avec Silk Touch, tu peux récupérer un œuf de tortue. C'est stylé. C'est stylé. Voilà, les gars. On peut faire une carapace aussi de tortue. Il y a des œufs de... On peut faire un œuf de zombie noyé. Oh, trop stylé, ça. Et le trident, ah ok, le trident peut être lancé en l'utilisant ou utilisé comme une arme de mêlée en attaquant, infligeant 9 dégâts. 9. C'est énorme. C'est juste ultra pété. Le truc est pas enchanté, hein. Le truc il est ultra pété quand même. 9 dégâts. Peut-être récupérer en tuant un zombie noyé tenant un trident. Qu'est-ce qu'un zombie noyé? Oh là là là. Oh my god. Il est trop stylé le mec. On a 15% de chance que le zombie ait un trident. Donc ça fait à peu près. Allez, une chance sur 6, tu vois, d'obtenir un trident. Déjà, faut que le gars ait le trident dans la main. Et ensuite, t'as une petite chance de le loot. Parce que si t'as pas une épée butin 3, tu vas galérer, mon gars. Alors, le pourcent de chance que t'obtiennes le trident. Avec sans enchantement, c'est de 2,5% de chance. Donc déjà, je réplique. T'as 15% de chance que le zombie ait un trident. Et t'as 2,5% de chance de l'obtenir. Donc les chances sont très 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 minimales. Avec le butin 3, pour te dire, t'es qu'à 4%. Donc, c'est la galère. Franchement, c'est la galère. Parce que bah, c'est galère à loot. Hein. Déjà, faut le trouver, hein, faut déjà aller. Ça va toujours dans les océans, hein, faut avoir un plutôt bon stuff, tu vois, avoir des potions pour voir dans l'eau et pour respirer sous l'eau, parce que sinon, bah, il va te mettre des baffes, hein, surtout qu'il a l'air vénère celui-là. Il fait combien de dégâts? Ah ouais, d'accord. Il fait 8 de dégâts. Donc, le cas, il te met 2 coups, t'es mort. Donc, voilà, t'as intérêt à faire gaffe, hein, ce zombie, il rigole pas, tu vois, il n'y a pas le temps de niaiser. Hein. Je vous mettrai un petit screen de ce zombie, il est trop stylé, franchement, il est badass. Du coup les gars, on va se laisser là-dessus pour cette mise à jour. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est super important de vous abonner. Ça me ferait super plaisir hein. Pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait cool. Et voilà, j'espère que vous êtes contents de la nouvelle. Voilà.
que la nouvelle mise à jour va sortir là. J'ai trop hâte. Et du coup, genre, c'était Flouba, je vous laisse là-dessus, genre. Allez, peace tout le monde. Ciao.